ce que Sorel Mine est en train de faire par rapport à la dégradation de l'environnement vaut simplement une procédure pénale que nous, notre association, doit faire parce que l'article 107 du Code de l'environnement nous le permet. Nous pouvons les poursuivre pour ça. Donc il va falloir que les gens les poursuivent par rapport à ce matin. Sorel Mine a été créé tout simplement par comment dire, le décret 2007. 1327 du 2 novembre 2007. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc le décret est là et depuis lors ils sont devenus un concessionnaire. Est-ce que vous savez ce que la contribution de Sorel Mine au niveau tout simplement de la collectivité locale de la région de Kédougou? C'est 0,1 milliard. Est-ce que ça c'est quelque chose ça? Mais est-ce que cette société-là a besoin tout simplement aujourd'hui d'être soutenue? Non. Alors je vais vous dire une chose et on ne va pas être long. La volonté populaire. Aucun gouvernement ne peut la retenir. Aucun. Si vous avez la volonté de gagner une chose, aucun gouvernement. Nous tous, nous incarnons l'État du Sénégal. Tout le monde. Tous tant que nous sommes, nous incarnons l'État du Sénégal. Mais la volonté populaire, aucun gouvernement ne peut résister. Ils n'ont qu'à avoir n'importe qui derrière eux. Quand vous avez la volonté que vous allez sortir justement sur les mines de cette malhonnêteté qu'elle est en train de vivre vis-à-vis de votre population, vous allez y arriver. Et c'est la seule chose.